sociale et familiale difficile. Donc nous accueillons aussi, en ce qui concerne le département de la Haute-Moselle, c'est une terre d'immigration, c'est une terre... solaire, un avion électrique mu uniquement par la force du soleil. Commencez à gonfler, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Je vais quand même vous en signaler un des yeux secs, habillé tout de noir. Il s'appelle Benny Boss. Il est voiture, assez rare. Donc évidemment, les loueurs de véhicules sont assez heureux de l'existence du Mondial Air Ballon, tout comme d'ailleurs un grand nombre de restaurateurs. Les brûleurs, vous allez voir, un petit coup de brûleur pour vérifier, et puis ensuite, on va ce soir pour pouvoir s'envoler. Est-ce que ça vous plaît? Alors criez-le! Je vous en chien, ballon français, on le salue également. Voilà, là-haut. Et puis d'autres. Redresser. Je vous expliquerai dans quelques minutes comment on est matière. Et Mathilde, qui est devant vous, est l'une de ses volontaires. Vous voyez, elle a un calico marqué lanceur. Ça signifie quoi, Mathilde? C'est quoi un lanceur? Un lanceur, ça permet de vérifier la sécurité. On a un soleil qui fait aussi des photos magnifiques. Il vous fait coucou, n'hésitez pas, vous aussi, à le saluer, à l'applaudir quand il va passer au-dessus de vous. Alors, si vous regardez bien, si vous êtes extrêmement attentif, notre public est en forme cette année. Merci, on est heureux de vous retrouver toujours. Regardez tout ce spectacle. Ils sont assis sur un siège, côte à côte, chacun. Et ils vont voler exactement comme les autres. Le ballon du Grand Est, les deux ballons aux couleurs de la Lorraine, patrie de 2 mois. Il y a 2 mois de repos après le Mondial Air Ballon. Ensuite, c'est 22 mois de travail, d'efforts, de préparation, de réflexion sur les nouvelles animations que l'on pourra vous proposer à l'édition suivante. La corde qui est là-bas. 2 personnes ou 3 personnes sont en train d'ouvrir l'entrée du ballon et c'est à l'intermédiaire de l'air pendant à peu près 2/3 du gonflement du ballon. Et ensuite, le pilote va faire couper le ventilateur. Alors là, ça va aller très vite. Le ballon, une fois debout, il faut se préparer à partir. Les éventuels passagers. D'accord, en tout cas, nos gagnants des ballons montgolfières sont à l'intérieur. Si vous êtes là demain, bien sûr, n'hésitez pas à retenter votre chance avant 17. Le drapeau irlandais va dans quelques minutes décoller et voler au-dessus de Chamblay Planétaire. Connaissez-vous un homme qui soit à la fois amoureux des fleurs, amoureux des ballons et chanteur d'Europe? Et vous avez un deuxième cloud hopper, un sauteur de nuages. Regardez le ballon noir avec des petits liserés. Il y a à l'intérieur
trois bonhommes en bleu. Et peut-être une dame en bleu. Là, je ne sais pas si elle était avec. Lorrain, habitant non pas dans le Grand Est, mais au Paris. Le télescope Hubble. Ah ouais. Et avec Jean-François Bertrand, vous avez quelque chose d'important à raconter sur l'aéronautique. C'est cette direction que les montgolfières prennent. C'est bientôt l'endroit aussi où elles vont se poser potentiellement. On a le soleil, si vous voulez faire des cartes postales. Depuis le Ballonville partenaire, l'espace qui se trouve côté est de ce site, vous l'avez dit, sont extrêmement importants pour cette manifestation. C'est l'occasion pour ses partenaires aussi de remercier, de voir certainement leur premier envol. Voilà, coucou. Et puis il y a des personnalités que vous connaissez également, que vous avez vues à la télévision par exemple, que vous avez vues par...